We've all been transported to worlds beyond our wildest imagination with books. But books are also a great vehicle to get together and exchange ideas. Welcome to Books du Jour. Come and join our authors at the table. So we're still at the Brooklyn Book Festival with a French guest, one of our rare French guests. And it's Jean-Marie Blas de Robles. Enchanté. Enchanté. And his book, well, Tigers Are at Home. And it's a magnificent volume with a beautiful cover. And we can discuss about it. But first, before we talk, avant de parler, avant, je parle en français maintenant, avant de parler du livre, votre trajectoire a été très parsemée dans le monde. Vous avez semblé avoir beaucoup voyagé. C'était un choix personnel ou c'était plutôt rejet de l'Europe? Non, ni l'un ni l'autre. Okay. Mais j'ai commencé à travailler à l'étranger. Okay. Donc il se trouve que j'ai accepté un poste au Brésil dès après mes diplômes de philosophie. Okay. Et puis ça m'a plu. Et après le Brésil, je suis parti en Chine, travailler aussi, enseigner. Ensuite en Italie, ensuite à Taïwan, ensuite j'ai un peu roulé ma bosse, mais pas pour le plaisir de voyager, pour le plaisir d'habiter à l'étranger. Ok. Et quand vous parlez de philosophie, l'intégration, je vois que vous allez faire un panel après, comme on dit en français, un atelier, après cette interview. Une table ronde, oui. Sur la connaissance de soi. Non, c'est parce que j'ai lu qu'est-ce que les voyages transforment. Ah. Possible, okay, oui, ça, oui. C'est ma façon de le dire. Oui, okay, oui. Peut-être pour vous, ça peut être une signification. Alors, la philosophie, elle entre où dans tous ces voyages, pour vous? Je dirais que la philosophie, elle est première. C'est une interrogation sur soi, peut-être, mais surtout sur le monde et sur la connaissance du monde. Mmh. Et donc, tous ces voyages, ils m'ont servi un peu comme on faisait son grand tour au XVIIIe siècle. Plutôt que de partir en Grèce et d'aller en Italie, moi, je suis parti au bout du monde pour essayer de me confronter aux différences, à l'autre. Et les grandes leçons que vous avez apprises, c'était les grandes leçons. Vous êtes à l'âge où on peut avoir une réflexion, on peut regarder, il y a cette distance dans le passé, on peut regarder, avoir. La grande leçon, c'est qu'on est exactement tous pareils et que la médiocrité comme l'intelligence est également partagée dans tous les pays du monde, quelles que soient les différences extrêmes de culture qu'il peut y avoir. Par exemple, en Chine, s'il n'y a rien de plus différent que la culture chinoise par rapport à la culture européenne ou à la nôtre, je veux dire, à la culture anglo-américaine. Mais pourtant, le fond d'humanité est exactement le même avec ses qualités et ses défauts. Donc zéro exotisme. Ok. Et aussi de très grande certitude dans votre déclaration. Bon, heureusement qu'à mon âge, on commence à avoir quelques certitudes. Ben, c'est bien d'en avoir. Alors, l'écriture est arrivée quand dans toutes ces pérégrinations? Moi, j'ai toujours écrit dès l'âge de 13 ans, 14 ans. Je voulais écrire des romans, j'écrivais de la poésie, donc. Mon premier recueil de nouvelles a été publié, j'avais 20 ans, 22 ans. Et donc j'ai toujours écrit tout en voyageant, sachant que le voyage, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était surtout pour faire bouillir la marmite, pour assurer mon existence. Et comme j'étais enseignant, ça laisse quand même pas mal de temps pour écrire. Vous pensez de faire bouillir la marmite, je pense que ça me fait penser à l'identité. On est français, on est allemand, mais quand on voyage à l'étranger, c'est tous ces concepts qui ont été imposés, en fait, où on a été élevé, se dissolvent un petit peu. Chez moi, en tout cas, ils se dissolvent complètement, parce que c'est peut-être aussi un cas personnel. Il se trouve que je suis né par hasard en Algérie, en Algérie française, du temps avant l'indépendance. Okay, l'indépendance. Et que j'ai été rapatrié avec mes parents en 1961, donc après l'indépendance de l'Algérie. Ce qui fait que mes vraies racines, je ne les ai plus. Je ne peux pas dire mes racines sont algériennes. Ce n'est pas comme si j'étais né dans le Périgord en France, ou à Marseille, ou à Paris. Je
pourrait parler d'un terroir. Là, mon terroir, ça commence par être juste la Méditerranée. C'est l'Algérie, c'est la Libye, c'est l'Italie, c'est la Sicile, c'est la Turquie, c'est tout ce pourtour méditerranéen dont je me sens très, très proche. Mais ensuite, en voyageant, c'est sûr que je ne me sens français que par ma langue, parce que ça, c'est très important, c'est vrai, je voulais dire la langue pour moi. Ouais. Mais sinon, je suis citoyen du monde, ouais. Je me sens c'est-à-dire proche que de... Vous pouvez habiter n'importe où, mais vous êtes apportés nulle part en même temps. Exactement. Et l'archéologie, ça fait partie de votre vie aussi. J'ai vu ça dans votre résumé. C'est venu parallèlement. D'abord, j'ai étudié la philosophie en même temps que l'histoire et l'archéologie. Et il se trouve qu'en 1986, j'ai un ami à moi qui est lui un archéologue patenté et à qui on a proposé de faire des fouilles sous-marines sur un site gréco-romain en Libye, donc en Cyrénaïque, près de Benghazi, le site d'Apollonia de Cyrénaïque. Et comme il avait besoin de gens de confiance, il m'a demandé d'intégrer l'équipe. Et donc j'ai intégré cette équipe sous-marine d'archéologie en 1985. Et depuis 1985 jusqu'en 2006, j'ai fouillé un mois par an au sein de cette équipe. C'est quoi la raison d'être de faire des fouilles? Ça vous amène quoi? C'est le potentiel de la découverte? C'est quoi la motivation? C'est une passion seconde par rapport à l'écriture. C'est une passion qui a à voir avec la découverte, bien sûr. Mm-hmm. Bien que, comme vous le savez, l'archéologie soit tout sauf de la chasse au trésor. C'est vraiment une recherche de connaissances. Donc là, ça va avec la philosophie. Et ça vient de la philosophie aussi, le fait que je me sois intéressé à la Grèce et à la romanité. Quand on fait de la philosophie, on commence par Platon, par Socrate, par les présocratiques. On a une espèce de fondement grec très, très important. Et ça a été vraiment un cadeau extrême pour moi de découvrir la réalité de ces fondements qui n'étaient que littéraires ou philosophiques, et de les exhumer et de les faire revivre. C'est très parallèle, en fait, entre l'archéologie et la découverte philosophique, l'approfondissement. Vous pensez que... Si on s'arrête, oui, à l'approfondissement et à la... Je dirais, pour la littérature, ou peut-être même pour mon travail, il y a ce côté enquête, à la Sherlock Holmes... On part à la recherche d'une origine, on part à la recherche d'un personnage, on part à la recherche du sens, quoi qu'il arrive. Mais il y a aussi la notion de stratigraphie, de strates, de couches qui s'accumulent, bon, au sens propre du terme pour l'archéologie, mais au sens métaphorique dans le roman, en tout cas tel que je les conçois avec... mes systèmes d'histoire extrêmement imbriqués. Alors, parlons-en des tigres. Alors, le tigre, il est chez lui, et il essaie de reconstruire l'histoire de quelqu'un du passé, de la même manière. Ça vous est venu comment, cette histoire? Alors, vous avez fait un peu le Lévi-Strauss au Brésil, un petit peu? Là, c'est totalement par hasard. C'était avant même que j'aille au Brésil. C'était quand j'étais encore étudiant de philo. Je m'étais intéressé à un sujet d'esthétique, je ne sais même plus lequel, mais en me documentant sur ce sujet, j'étais tombé sur une petite biographie, la seule qui existait à l'époque, de 3-4 pages dans une revue d'art, sur un personnage que je ne connaissais pas, dont je n'avais jamais entendu parler, qui s'appelait Athanasius Kirch, et qui était un jésuite du XVIIe siècle. Et cette petite biographie disait, voilà, regardez cet homme, il traverse tout le XVIIe siècle, il connaît Newton, il connaît Leibniz, il connaît Descartes, il a rencontré Galilée, il a connu tous les grands savants de son époque. Ce type-là a écrit 40 livres de 1000 pages chacun sur tous les sujets de la connaissance, les mathématiques, la physique, la médecine. Il a traduit les hiéroglyphes égyptiens 200 ans avant Champollion, 2000 pages de traduction.
sur la Chine, etc., etc. Il a inventé 1000 machines. Il a été le préféré du pape pendant toute sa vie. Et il est totalement oublié. Et comment ça se fait? Parce qu'il s'est trompé surtout. Ok. Il s'est trompé absolument surtout. Il a raté la naissance de l'esprit scientifique. Okay. Alors même qu'il connaissait ceux qui étaient en train d'inventer cette raison scientifique qui va donner l'esprit des Lumières, qui va donner le XVIIIe siècle et notre civilisation, lui choisit de sauver l'ancien monde, le monde de la curiosité, le monde de la Renaissance, le monde des merveilles, plus le monde de la Renaissance. C'est plus un pic de la Mirandole, attiré par le merveilleux, par la curiosité, mais qui choisit de sauver la religion, parce qu'il sent bien que cet esprit scientifique va mettre à mal le côté absolu de la Bible, de l'Ancien Testament, et donc il choisit de dire le contraire systématiquement. Le chercheur avant Descartes, cette pensée, il est plus scolastique, si on appelle ça. C'est un dinosaure de l'esprit classique. Okay. Ce qui m'a plu, c'est ce génie magnifique à se tromper. Je me suis dit, ça c'est extraordinaire, il faut que je me renseigne sur ce personnage et que je le transforme, pas que j'écrive une biographie, ça ne m'intéressait pas, ou un roman historique, ça ne m'intéressait pas non plus, mais je voulais d'abord me renseigner sur le personnage lui-même pour essayer de le bien connaître et de le transformer moi en personnage de fiction, en faire un Don Quichotte, un Don Quixote du XVIIe siècle, avec... c'est ridicule, mais aussi ses qualités. Donc c'est parti comme ça. Alors les excavations, ça a duré 10 ans, presque. Oui, même plus. Oui, oui. J'ai commencé tout de suite en 70. J'ai commencé à écrire en 89. Donc pendant tout ce temps, j'ai lu les 40 000 bouquins. Ils sont encore, on peut trouver les livres alors. Ils sont dans les bibliothèques, mais en latin. Ils sont pas traduits. Il n'y a qu'un seul livre qui soit traduit, c'est son livre sur la Chine, qui est magnifique. Mais donc, je me suis renseigné sur lui, etc. Et en me renseignant sur lui, j'ai redécouvert le XVIIe siècle dans son entier. Un XVIIe siècle que je croyais connaître, mais que je ne connaissais pas, ou en tout cas très, très mal. Et je me suis aperçu que ce XVIIe siècle-là, qui était le sien, était très proche, à certains égards, du siècle dans lequel je vivais, moi, en Europe, à l'époque. À l'époque de Kircher, c'était une guerre de religion sans précédent. C'était la guerre de 30 ans entre les catholiques et les luthériens. Mm-hmm. Une guerre civile en plein cœur de l'Europe. Kircher lui-même était un réfugié. Les jésuites ont été massacrés, etc. Donc ça a fait des centaines de milliers de morts en plein milieu de l'Europe. À l'époque où je pensais à tout ça, il y avait la guerre du Kosovo à nos portes, avec la Serbie, une guerre religieuse aussi, entre l'islam et le catholicisme, etc. Un point. Deuxième point, à l'époque de Kircher, il y avait, et on le sent bien chez Kircher quand on lit sa correspondance ou ses livres, il y avait vraiment le sentiment que la naissance de l'esprit scientifique abattait les valeurs absolues et morales du monde. On avait le sentiment d'un monde en pleine métamorphose, sans savoir où on allait. On savait simplement... qui est un peu comme maintenant. C'est exactement encore aujourd'hui la même chose, avec la chute des grandes idéologies communistes, socialistes, même le libéralisme ou le capitalisme ne constituent plus des idéologies porteuses ou des valeurs absolues. Mm-hmm. Et ce même sentiment aussi de métamorphose et de perdition un petit peu. Ouais. Et troisième chose, il y avait, chez Kircher aussi, ça se ressent, une peur irrationnelle de l'islam. Là, à l'époque, c'était les Turcs qui étaient en train de finir de manger l'Empire chrétien. Tout le monde se sentait attaqué par les Turcs. Et là, comme vous le savez, on a tous, à tort ou à raison, et à mon avis, de manière irrationnelle, cette crainte aussi par rapport à... une altérité, une religion qui fait peur plus qu'elle ne plus qu'elle nature. En Europe, exactement. Okay. ça a dû vous reformer complètement de faire tout ce travail de recherche.
d'apprendre, de voir tant de parallèles, mais c'est quelle conclusion vous pouvez en tirer là, en tout cas, l'histoire ne change pas ou on n'apprend rien. En tout cas, ça m'a enrichi, avec même si le résultat est maigre philosophiquement, parce que le résultat, il peut se résumer au fait que rien ne change, qu'il y a une espèce de pérennité de ce sentiment de métamorphose. Et en même temps, c'est un sentiment qui est porteur d'énormément d'espoir, parce que ça veut dire que rien ne s'arrête et que malgré les sensations d'apocalypse ou de déclin, la roue tourne. La roue tourne, j'allais y venir. Est-ce qu'on a besoin du sentiment d'apocalypse pour continuer à vivre? Est-ce qu'on a besoin d'avoir cette crainte constante de la peur du futur sans savoir quel est le futur et lequel ça va être? Pour être soi-même. Personnellement, je ne vois pas pourquoi on en aurait besoin. Mm-hmm. Je souhaiterais que... Ça permet d'éclore, ça permet de sortir. Mais l'histoire de l'humanité montre que ce n'est qu'une succession, justement, de peur et de surpassement de cette peur-là qui produit une avancée, sans parler de progrès, mais en tout cas, qui fait rouler la machine. Ouais. Alors, depuis, ça a été publié en France en 2008, je pense. Vous avez écrit un autre roman, un ou deux. Il y a un autre roman qui est sorti, qui s'appelait La montagne de minuit. La montagne de minuit, c'est aussi une grande montagne ou c'est une petite montagne? C'est une grande montagne, je l'espère, par la qualité. La qualité. Mais c'est beaucoup plus fin, oui. Okay. Est-ce que ça vous intéresse d'écrire ce genre d'engagement très complexe avec toutes ces ramifications, ces histoires qui se chevauchent? C'est pour vous, c'est un jeu intellectuel ou c'est plutôt vous préférez aller droit au sens maintenant que vous l'avez fait? Non, ça continue à me travailler. Okay. C'est ma façon à moi d'écrire des histoires. En fait, j'ai l'impression que je m'ennuie assez vite si je prends une histoire linéaire et j'ai besoin de cette distanciation, d'avoir d'autres perspectives, d'autres points de vue, de faire intervenir d'autres personnages, d'autres ramifications, parce qu'il me semble aussi que le réel fonctionne comme ça. C'est jamais univoque, c'est jamais comme le storytelling. Le storytelling voudrait nous le faire croire, un scénario qui se déroule comme ça, avec des méchants, des gentils, intervention, pas intervention, quête de soi, poum, et c'est terminé, on a bouclé son livre ou son film. Le réel est bien plus compliqué que ça. Et ça m'intéresse de les mettre en miroir, de mettre ces histoires en miroir, en reflet, avec cette impression que les reflets valent mieux que la réalité. Est-ce que vous voyez des constantes dans vos travaux sur la succession des livres? Je commence à en voir maintenant. Oui, en France, je ne sais pas le mot français, mais il y a on prend les formes de Platon, de Plato. Mm-hmm. Il y a l'être et puis le devenir. Hein. Mm-hmm. Est-ce que vous voyez des formes comme ça dans votre travail? Ou même à propos de vous-même, peut-être le Jean-Marie à 20 ans, le Jean-Marie à 50 ans? Non, je vois qu'il y a des fascinations récurrentes depuis l'âge de 20 ans, dont je ne m'apercevais pas, dont je m'aperçois parce qu'on me le dit, ou avec le recul quand je relis. Ce sont ces fascinations sur cette fascination de l'anamorphose, de ce rapport trouble qui existe entre le réel et la fiction. Moi, je n'aime pas l'autofiction, je n'aime pas... Si on veut écrire sur soi, on écrit une autobiographie, et puis on raconte sa vie, ou on écrit des confessions. C'est sûr, ce sera toujours de la fiction, mais ça ne m'intéresse pas, ça m'ennuie prodigieusement. Ouais. Donc je préfère la véritable fiction. Mais même dans cette véritable fiction, il y a une confrontation avec le réel, qui est le mien, ou celui de mon siècle. Et je m'aperçois que c'est le vieux débat de Chuang Tzu. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est... Ou même au niveau... Où se trouve la fiction? Et c'est ça qui me fascine réellement et avec lequel je joue plus ou moins consciemment. Vous êtes philosophe, alors peut-être que je peux demander votre question. Vous pensez même la perception de soi-même, c'est une histoire de fiction? Absolument, ça j'en suis totalement persuadé. On se réinvente, son propre passé. Il suffit de raconter 10 fois, ne serait-ce qu'un rêve, à la personne qu'on aime, et on va le modifier en le racontant, en l'écrivant, en fait.
et on se fabrique soi-même. On est plus responsable qu'on ne pense de ce que l'on est. Oui, absolument, je suis d'accord. Et je pense que c'est un très bon point pour conclure notre interview. Where Tigers Are at Home, by Jean-Marie Blas de Robles. Et great read and a great style as well. So it's published by Other, yeah? Other Press. Thank you very much for being with us on Bookcase TV, and I wish you all the best on your trip to Rochester and DC. And DC. And your first time in New York, so first interview. Thank you very much. Thank you, sir.